Salut ma belle. Ouais, ça va. Là, je rentre à la maison. Non, franchement, c'est chou, mais non, je vais plutôt rentrer. Ouais, on se fera un shopping une autre fois. Je te dirai rendez-vous à l'appart. Ok, bisous. Fusionnel, tu te rends compte, le mariage au bout de 6 mois, et là, plus bam, plus rien. Je suis enrôlé. Moi, je te dis que ça allait trop vite. Enfin, attends, c'est pas comme ça que tu vas l'oublier. Mais je veux pas l'oublier.
Bah écoute, à ce moment-là, lui montre pas que t'es fragile. Parce que sinon, elle aura gagné et puis elle aura aucun intérêt à venir vers toi. Tu sais ce qu'on dit. Celui-là, elle ouais, te suit. Ouais, ça va, je sais. Et celui-là, elle te suit. Non, putain, c'est... C'est mort avec elle, j'ai merdé, là. Elle reviendra pas. Bah c'est sûr que c'est pas en te lamentant sur ton sort et en chouinant dans ton coin qu'elle va revenir, hein. C'est pas sexy, un mec qui chiale. C'est comme Thomas. Tu sais qu'on était comme des frères ensemble. Tu parles d'un traître, lui. Tu sais très bien que dans ce milieu, rares sont les vrais amis. Hein. C'est chacun pour sa gueule. Milieu de vrais faux culs, ouais. Oh. Rempli de séducteurs et hypocrites. Alors les filles, elles ont tous des problèmes. Hein. Et les mecs, attends, j'arrive, j'ai la solution. Arrête, là, tu généralises. Bon, écoute, va danser, au moins tu penseras à autre chose. Puis pendant que tu danseras avec une autre, peut-être que tu l'oublieras pendant 5 minutes, ta Valentine. En plus, les filles, elles adorent danser avec toi. Puis peut-être que tu feras une rencontre. Arrête tes conneries. Je crois plus à ce cas. Bon, écoute. Moi, il y a Sandra qui vient d'arriver, je lui dis bonjour, ok? Je te laisse. T'es sérieuse? Salut Morgane. Je pourrais dire bonjour quand même. Pas tant que tu seras comme ça. Qui a sa statue, quoi? Un pauvre mec qui s'est fait larguer par sa nana. On était super potes avant qu'il sorte avec elle. Je l'aimais bien. Puis après, il m'a même plus calculé, alors maintenant c'est moi qui le calcule plus. Puis son ex fait que de raconter à tout le monde que c'est un gros con, c'est pour ça qu'elle l'a largué. Mais toi, t'en penses quoi? Bah écoute, moi je l'aimais pas, c'est une peste. Puis je suis sûre qu'elle lui a fait vivre l'enfer. Puis lui, c'est un gros con d'être sorti avec elle, plutôt qu'avec moi. Bah allez, vas-y, t'es venue pour ça, va danser. T'es sûr que je peux aller danser? Mais oui, t'es venue pour ça, va danser. Moi, je reste au bar, je vais me prendre un verre. J'en ai besoin. Garçon, une vodka pomme, s'il vous plaît. Ou c'est juste à cause de moi? Non, je danse pas. C'est Morgane, t'as dit des trucs sur moi, c'est ça? Oui, oui, si tu veux, c'est pour ça, mais... Ça se refuse pas une danse, hein? Ça se refuse pas? Écoute, ça n'a rien à voir avec toi. J'ai pas envie de danser, c'est tout. Et d'ailleurs, j'ai pas envie de me justifier non plus. Connasse. Pardon? Je comprends pourquoi ta femme est partie maintenant, hein? Mais danser, merci. C'est bon, j'ai pas envie de te parler là. Je passe déjà une noche de merde. Juste m'excuser. Ok, excuse acceptée. Attends, je crois que je te dois aussi des excuses. Pardon, j'aurais pas dû te parler de ta femme. Fred, c'était là. Encantada.
Mais tu sais, c'est pas parce que tu es triste et en colère qu'il faut t'en prendre à tout le monde. Je peux pas comprendre. Je peux comprendre beaucoup de choses, crois-moi. Ça m'étonnerait. Non, pauvre petit chou. Le seul à savoir ce que c'est que de s'ouvrir par amour. Ouais, et ça fait mal. Et tout le monde s'en fout en plus. Mais les gens sont pas venus ici pour t'écouter te plaindre. Je connais pas ta vie, mais je sais pas moi. Fais le deuil de ta relation ou va la reconquérir là. Ta relation, on va la reconquérir. Qu'est-ce que tu me fais là? Hein? Qu'est-ce qu'il connaît toi? Qu'est-ce qu'il y a de pire que d'aimer quelqu'un qui t'aime plus? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de pire? Peut-être d'aimer quelqu'un qui n'est plus là. Où est-ce là? Je sais pas. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien, ouais. Ne t'approche plus jamais d'elle, d'accord? Et donc, tu vis en France depuis quand, alors? Septembre. Et depuis, je suis en colocation avec Morgane. C'est elle qui m'a aidé à venir ici. Tu sais que t'as vraiment pas l'accent pour quelqu'un qui vient d'arriver. Non, mais ça, c'est normal. C'est parce que j'ai grandi en France avant de partir vivre en République dominicaine. D'accord. Et là, tu fais quoi? Tu bosses? Oui, à Orly. Mais c'est bon, là. Arrêtons un peu de parler de moi. Dis-moi, et toi? T'es photographe, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est plutôt calme, c'est plus trop la saison des mariages. Du coup, j'ai vachement envie de me remettre à la danse. Et toi, dis-moi, pourquoi tu danses plus? J'ai plus envie. Mais pourtant, avant, la danse, c'était toute ma vie. J'étais accro. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu veux bien me raconter. On était partis en soirée avec mon fiancé et... j'ai insisté pour une dernière danse. Et encore une dernière danse. Et encore une dernière danse. Il m'appelait Madame Dernière Danse. Et... pour résumer... j'ai tué l'amour de ma vie dans un accident de voiture. C'est ma dernière danse. Je suis désolé, je... je sais pas quoi dire, là. Donc c'est pour ça que t'es venu en France, pour essayer de refaire ta vie. Oui. Pour tenter d'oublier Roméo et... essayer de tourner la page, comme on dit. Et ton île, elle te manque pas trop? Ah si, elle me manque terriblement.
Je déteste la vie ici. Et mon frère se marie dans 3 mois en plus et je devais être son témoin. Comme on est un peu en froid, faudrait vraiment que j'y sois. Tu repars quand alors? Bah c'est bien ça le problème. Je peux pas. J'ai pas les moyens pour payer le billet de retour. Ah oui, c'est compliqué. C'est bon qu'on puisse dire. T'as pris le temps un peu de visiter quand même? Non, pas vraiment. Non. Alors je te propose un deal. Tu m'apprends l'espagnol, suffisamment pour que je comprenne les chansons que j'adore. Et moi, en échange, je t'apprends à aimer Paris. Non, mais... je crois que t'as pas compris. Je n'ai pas envie d'aimer Paris. Je ne veux pas. Je veux juste rentrer chez moi et le plus tôt possible. Ah, madame était trop timide pour faire les cours collectifs en soirée. Et là, je la retrouve à danser avec n'importe qui les serrés. Mais ignore-la. Tu vois pas qu'elle fait ça exprès juste pour te provoquer. Et pour voir si elle a encore du pouvoir sur toi. Et toi, comme un enfant, tu tombes dans le panneau. Non, mais je sais pas, mais ça marche. Hein. Et tu sais pas quoi? J'ai appris qu'elle s'était inscrite au grand concours de bachata avec l'autre tocard. Et alors? Et alors, ce concours, c'est le mien. D'accord? C'était mon rêve d'y participer. D'être fier de moi une fois dans ma vie. Cruelle ingrate. Hé, oublie-la. Genre, t'es bien placé toi pour dire ça. Bah oui, justement. Ouais, ça me saoule. J'attends la fin de la chanson pour dire au revoir à Laurent, je me barre. Quoi? Comme tu veux. First class is another one. Mais qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu voulais plus danser. Et tu penses à Roméo, là? Tu sais qui je suis? Oui, pourquoi? Et toi, t'es la nouvelle copine de Fred? Mec, en quoi ça te regarde? Bah, parce que s'il a une nouvelle copine, il pourra peut-être enfin m'oublier, m'accorder le divorce, passer à autre chose plus rapidement. Tu sais que Thomas, il va sûrement bientôt me demander en mariage. Si je suis divorcée, je pourrais plus facilement lui dire oui. C'est super sympa ce qui sort de ta bouche. C'est quoi, je fais comme si j'avais rien entendu, je crois. En tout cas, qui se ressemble, ça se semble. Hein. Comme on dit, vous dansez aussi bien l'un que l'autre. Excuse-moi, c'est toi qui as passé un an avec lui, non? Donc tu le ressens beaucoup plus que moi. Ouais, enfin, ça c'était sûrement une des plus grosses erreurs de ma vie. Vous allez faire des compétitions, vous aussi? Non, et dans tous les cas, en quoi ça te regarde? Parce que sur le net, j'ai vu des vidéos de toi, avec ton ancien partenaire. Non, c'était pas mal, hein, enfin, pour des amateurs. Mais tu sais, donner des spectacles dans les hôtels pour des touristes, c'est pas exactement pareil que des grandes compétitions internationales. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu me cherches? C'est un défi, là? Tu diras à ton nouveau chéri que le concours qu'il a toujours rêvé de faire, bon, on va le faire cette année. Et comme le gain, c'est... un voyage en République dominicaine, bah, ça fera mon voyage de noces. Mais tu sais quoi? Je te laisse dans tes délires, là. Bonne soirée, ciao!
qu'on se casse. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Franchement, je la déteste déjà. Et de toi à moi, je sais même pas comment tu fais pour l'aimer encore. Vas-y, viens, on se barre. Attends, mais je comprends rien. De qui tu parles? Tu veux toujours faire le concours de bachata? Oui. Rendez-vous en finale. Faut déjà passer les présélections, hein. Vas-y, viens. C'est toi qui nous as mis dans cette galère, hein. Non, mais dans l'ensemble, ça va, ça passe. Allez, on y va. Allez, viens. Attends. Là, on est complètement à contre-temps. Tu fais quoi, là? Thank you.
Salut. Ça va mieux? Pourquoi tu m'as fait venir là? T'as déjà pris l'avion? Et si on gagne? Tu viendras avec moi? Je peux pas. J'en ai la phobie. Mon père s'est tué dans un avion quand j'étais enfant et depuis... Pour moi, les aéroports, c'est les gens qui nous abandonnent et qui nous laissent seuls. Ah bon? Bah tu vois, pour moi, c'est totalement l'inverse. Je me sens bien ici. Pour moi, ça symbolise ceux qui rentrent chez eux, qui retrouvent leur famille. C'est complètement différent, en fait. C'est ça. Tous pareils, mais tous différents. C'est comme pour la danse. Il faut qu'on arrive à trouver dans nos différences une force pour réussir à créer cette connexion, tu vois. Toi avec la bachata moderne et moi avec la bachata dominicaine. Deux battements de cœur sur un seul rythme. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai fait venir ici aujourd'hui. Tengo recuerdos de aquella noche cuando te conocí. Con una mirada supe al instante que serías para mí. Ouais, Laurent. Ouais, c'est moi. Ouais, j'en profite, là. Stella est en retard. Ouais, encore, ouais. Il faut que je te raconte, moi, tu t'en parles pas à Stella. Hein. J'ai revu Valentine.
Enfin, c'est plutôt elle qui a voulu me revoir. En fait, elle m'a avoué que je lui manquais, qu'elle s'en voulait de m'avoir quitté sans rien me dire. Elle culpabilise d'être allée avec Thomas et ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'elle m'a dit pourquoi elle m'avait quitté. Et c'est parce qu'en fait, elle a appris qu'elle pouvait pas avoir d'enfant. Et comme elle sait combien pour moi c'est important d'avoir une famille, elle a paniqué. Elle a paniqué et c'est pour ça qu'elle est partie. Ouais. Ah non, mais moi j'ai rien. Enfin, tu vois, j'ai encore du mal à réaliser, quoi. Bon, après on s'est embrassés et je suis resté chez elle. Ouais, je sais. Ouais, je sais pas comment. Je sais pas trop là. Attends, je laisse, elle vient d'arriver. Ils ont mis un nid tout de jeu. Ouais, ça va, ça range. Ouais, ça range. Ah oui. Ah bah t'as vu. T'es pas si nul que ça. Ouais, j'avoue, j'ai été bonne sur ce coup-là. Et pas besoin de faire de portée. En fait, je suis plus que bonne. Je suis... excellente. Je trouve aussi. Et t'as raison. T'es plus que bonne. Mais on va quand même le faire, ce portrait. Non. Si. Non. Si, pose. Je suis chaud. Allez, pose. Allez, à moi, je sens pas. Ah, si, je sens, c'est bon. Allez, deux. Allez, trois. Allez. Tu sais, je suis pas un mec facile. Hein. Je peux pas, désolé. Je pense encore l'autre conne. Je vais prendre une douche. Ça va rafraîchir les idées. C'est pas toi qui mène la danse ce soir, c'est moi. Et ce soir, je fais encore une danse. J'y vais là, j'ai pris un taxi. Pourquoi? Arrête, tu sais très bien pourquoi. C'était super cette nuit, hein. Je te rassure. Mais
Tu sais très bien qu'on a fait une connerie. Et je veux rien créer ici, je veux pas d'attache. Je veux juste rentrer chez moi. À Boca Chica, tu vois, je... Non. Allez, on fait comme si c'était rien passé, ok? Ok. Bon, mais si c'est rien passé, pas besoin d'en parler. Allez, ciao. Oui, Stella, c'est encore moi. Bah, écoute, ça doit être mon 5e message. Ça fait une demi-heure que je t'attends. Donne-moi un petit signe de vie. C'est sympa, merci. Poëlan. Ouais, ouais, c'est moi. Devine qui est en retard. C'est pratique. Non, on s'est réconcilié. Mais pas avec Valentine, avec Stella. Non, Valentine... J'ai bien réfléchi et je pense que... Il faut que je tourne la page, quoi. Non, moi, il n'y a plus que Stella qui m'intéresse. Ah oui, je t'ai pas demandé, ouais. Ouais, d'accord, ok. Eh ben, écoute, on se rappelle. Ça marche, désolé, hein. À plus.
Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais non. Un billet pour Bogastique. Mais c'est un aller simple. C'est parce que tu voulais. Je te préviens, il part tout à l'heure. Mais c'est différent sans toi. Pourquoi c'est différent? Ben, c'est pas... C'est, oui, c'est pas pareil, il y a différence, c'est... Tu voulais pas que je reste avec toi? Tu préfères pas que je parte avec toi? Nos amis sont cotisés, là. Mais c'est pas possible, mais et ta phobie de l'avion? Envolé. Je crois que c'est toi qui me donne des ailes. Supe al instante que serías para mí. Y desde entonces tú eres la reina de mi corazón. Eres tan bella, eres tan hermosa, mi gran amor. Solamente tú tienes el arte de hacerme sentir. De verdad, tu baby, te extraño.
vuelta hasta aquí.